J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je suis accompagnée de Psycho Gamer. Salut voilà, tout le monde. De ma part, allez, moi, je vais très bien. Tu vas bien, Psycho Gamer? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Donc, on s'était quitté dans le dernier épisode, tout simplement, ici. On a fait un tout petit peu d'Orcam depuis parce qu'on les tourne juste après. J'ai commencé les barrières et puis. Un tout petit peu, hein. Et Psycho Gamer a fait un joli pixel art tout simplement sur. Attendez, je vais vous le montrer. Sur mon tour. Viens de me voir. Je viens voir. On va prendre notre petit ascenseur. Donc, on avait fait ça. Hop. On va venir voir. Oui. Oui. Voilà, je suis. Hop, on y va. Voilà, donc il a mis ça comme pixel art. J'avais collé au mur à la base, mais j'ai décollé. C'est un pixel art qu'il a fait. Il l'avait mis là. Il est très très stylé son pixel art. Hein. Oh, attends, je viens d'avoir une bête d'idée. Je vais mettre ça en miniature. Non, c'est vrai. Construction d'un astérobit. Ouais, c'est comme ça qu'il l'a appelé. J'ai une bête d'idée. Viens. Attends, non, mais je suis en train de monter là. Je dois travailler moi aussi. Non, mais vas-y, un peu plus tard. Quand on aura le temps, tu vois. Viens, on fait nos logos. C'est de nos chaînes en pixel art. Ah ouais. Ça doit être chaud en vrai. Enfin, sur Scrap, ça va. Hein. Ouais. Parce que les blocs, les détails. Ils sont petits, ouais. Ouais, ouais. C'est... Ok, sur Minecraft, c'est hyper compliqué, mais là. Ouais. Par contre, toi, tu vas en chier. Hein. Hein? Tes lettres, comment elles sont inclinées, et même les barres derrière. Et même toi, hein. Toi, non, c'est... Moi, ça va. Avec le smiley, ça va être chaud. Ouais, le smiley, j'ai un peu galéré, mais. Non, je m'en souviens, tu te souviens quand je t'avais fait sous Photoshop, quand j'étais dans le film. Ah ouais. J'y ai passé au moins 2 heures facile. Ouais. Mais comment on fait pour mettre les droites et tout parallèles? Ah mais je l'ai fait à l'œil, hein, les droites. Ah ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont à 45 degrés, c'est qu'elles sont très à 45 degrés d'inclinaison. Ok. Mais sinon, l'espacement, je l'ai fait à l'œil. Hein. Oh putain. C'est pour ça qu'elles ont pas toutes espacées à la même distance. Waouh. Ouais, parce que c'est Psycho Gamer qui a fait mon logo, tout simplement. Mm-hmm. Je ne savais pas me servir de Photoshop. Tu sais toujours pas. Si. J'ai une miniature avec. Hein. Ah bon, tu l'as fait sous Photoshop, ta miniature, toi? Ouais, mais après, tu sais, je l'enregistre sur Paint. Enfin, ah, je fais un pré... Enfin, je fais un... Ouais, moi aussi, t'inquiète pas. Ouais. T'as la flemme, ouais. Toi-même, tu sais. Voilà, donc on a nos petites barrières, notre ascenseur aussi. Voilà. Tout simplement. Hein. On va mettre une barrière aussi là. Hein. Ouais. Mm-hmm. On va mettre une barrière. Dès que le véhicule va passer. Donc, on va prendre capteur et piston. Là, je vais l'enlever. Ah non, là par contre, on peut mettre une barrière qui s'ouvre. Potentiellement. Ouais, ça va plus vite. On va mettre une barrière qui s'ouvre. Donc, dès que le véhicule va. Va passer. Attendez, il faut juste que je fasse un truc. Dès qu'il va passer. Oh, je vais tomber, je suis au bord. Regarde là où je suis. Bah. Bon, du coup, il avance sur son timer Psycho Gamer. Ah, t'as vu, ça arrive. Ouais. Timer Psycho Gamer. Donc là, on va mettre des capteurs dès que le véhicule arrive. Tout simplement. Ça va détecter, ça va ouvrir la barrière. Voilà. On va faire tomber la plaque. Aucun respect. Boom. Boom, bitch. Quand on... Oh, elle est passée sous la map. Yes. Elle a disparu. Ouais, parce qu'on... Wesh, elle retombe à chaque fois maintenant, non? Ouais, t'as vu, ça le fait, ça. Par contre, comment je fais, du coup? Faut que je la chope quand elle atterrit en haut. Mm-hmm. Ou alors, ce que tu fais, tu mets une bombe, et quand elle tombe dessus, ça fait exploser la bombe. Ouais, mais il y a mon pilier en bas. Elle tombe pile en bas. Ou alors, tu mets une bombe et quoi, ça tombe dessus. Ah non, c'est bon, elle est en bas, c'est bon. Yes. Tu veux que je la pète ou pas? Non, c'est bon. Ah, mais j'ai quand même envie de la péter. Non, mais s'il te plaît, j'ai pas envie, moi. T'es sérieux? Et après, ça dit... Et après, ça dit, oui, mais les entités, ça fait lag. Bah oui, justement. Mais pas avec des bombes. Mais je veux pas la faire péter avec des bombes. Mais sinon, oui, je veux bien que tu la pètes. Pas avec des bombes. Parce que tu veux bien que je la pète, hein. Oui, parce qu'avec moi, faut se méfier, hein. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Tu vas voir, c'est dommage qu'on puisse pas enlever les explosions des TNT, des bombes, comme dans Minecraft, tu vois. Mais moi, tu fais ça sur un monde où je suis là.
Tu pètes un câble, oui. C'est ça. Je sais. J'avoue, je me demande comment les bombes vont être craftables dans la survie. Et même comment on va récupérer du fer et tout, ça, je me pose plein de questions sur la survie, tu vois. Ouais. Non, à mon avis, pour les récupérer, les bombes, tu sais, ils disent que dans des blogs, tu sais, c'est l'essence, là où du moins des combustibles. Ah ouais. Tu sais, t'as des citernes de gaz. Ah ouais. À mon avis, il va falloir que tu le craftes. Ouais. Le conteneur, et après que tu le remplisses. Ce serait d'or, en vrai. Bah ouais. Parce que quand tu regardes dans ton inventaire, ils disent que c'est canisseur gaz. Donc, conteneur de... Voilà, tu vois. Et quand tu tapes dessus, forcément, bah... Ça fait boum. Non, en vrai, ça aurait été plus réaliste que ce soit du napalm. Parce que le napalm, normalement, ça s'enflamme au contact de l'air. Alors que le gaz, bah, ça fait rien, tu vois. Ouais. Voilà, j'ai blindé sur les... Sur ça, le napalm est un gaz que j'aimerais tellement avoir. Ouais, mais tu l'auras jamais, je pense, quoique. Oh, bah si, 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 si. L'autre jour, on a trouvé du napalm en poudre. C'est de la poudre en fait. Et quand tu la mélanges avec de l'essence, ça fait un liquide. Et si tu le mélanges avec une autre poudre, ça s'enflamme au contact de l'air. Ouais, c'est ça, en gros, c'est de l'essence hyper puissante. Waouh! Mais si, voilà, c'est avec du phosphore blanc que ça se. Si, voilà, tu vois. Je suis trop bête. T'as vu? Qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai mis une barrière, sauf que ça cogne sur le véhicule, du coup, elle s'ouvre pas la barrière. Oh putain, t'es con. Bon, pire, c'est pas grave. Je l'ai. Attendez. Regardez, on va faire ça. On va mettre le bearing ici. On fait ça. J'en ai on fait ça, voilà. Regarde. Comme ça, c'est bien. Comme ça, voilà. Voilà, voilà. C'est nickel comme ça. On va continuer avec du bois. Les gens, vous allez voir ce qui va se passer dans 3, 2, 1. Non. Il va peut-être se passer quelque chose. Amaury ? Oui. Je viens de me rendre compte d'un truc. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? 99h. Si j'ai deux numéros, ça fait 99h. Ouais. Mon timer. Oh putain. Oui. Comment te dire ? Je vais pas faire 99 fois 60. Non. Non, 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 même pas en rêve. Même pas en rêve. J'ai pas envie. C'est vrai. Bon, là même, on peut pas passer. Hein. Enfin, sauf si on se met devant, mais forcément. Ah, mais c'est aussi, il faut que je règle ça. Au pire, on va faire bleu. C'est pas... Ça sera pareil. On va faire qu'il détecte du bleu. Voilà. Et pas moi. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il détecte quand t'es en rose? Non, mais genre normal. Il détecte normal. Ok. Tiens, j'avoue, regarde, attends, je vais te montrer un truc que j'ai fait l'autre jour. Attends. Je termine de relier ça, puis après j'arrive. Tu vas rigoler. Quoique. Voilà. Comme ça, moi, si je passe devant, ça fait rien, ça ne l'active pas. Comme ça, on peut pas s'échapper. Mais notre perso de scrap, il est beaucoup trop gros pour passer. Il est gros, big fat. C'est donc ça. On va aller à l'autre gare, on va essayer, même si je connais ce que ça fait. Viens voir ce que j'ai fait. Bon, pour l'instant, et là, on peut partir. Que j'ai fabriqué l'autre jour. Pourquoi j'arrive pas à avancer? Putain, encore la barrière, c'est une blague. Mais elle est chiante, cette barrière. Au pire, là, on peut passer ou pas? Ouais, mais c'est pas grave, c'est... Ça va, ça va, ça va. C'est... Les enfants, ils vont faire attention. Les adultes qui font attention à leurs enfants, c'est pas grave. Faut vraiment être con, quand même, pour tomber dans une... pour tomber dans un trou. Ouais. Faut vraiment s'appeler fils mécanique, hein. Tais-toi. Eh, mais ça monte, en plus. Il est trop bien, ce que j'ai fabriqué. J'arrive, voir. Attends. Je suis ouais, là, je vais à l'autre gare. Je suis parti. Non, faut que je mette plus. Bon, du coup, il y aura pas mal de trucs qui seront pas soudés dans ma map. Déjà ça, l'ascenseur. Du coup, tu l'as dégagé la plaque?
Je sais plus. Tu sais plus. C'est pas grave. Chef, je me suis retournée. Ouais, pourquoi c'est pas ouverte la porte? Ah oui, c'est parce que j'ai réglé sur la... Ça là. J'ai réglé sur cette couleur, du coup il faut que je règle aussi sur... Sur ça là. Sur cette couleur, je l'ai montré, les gens ils savent de quoi je parle, pas toi. Mais... Ouais. Mécanique, là ça marchait. Oui, du coup, c'était un petit problème. Par contre, j'ai aussi un petit problème là, c'est qu'en dessous, bah c'est un peu dégueulasse, voilà. Bah si ce diner a une problème. C'est quand on a détruit les blocs en dessous pour que le véhicule il puisse passer. Du coup, il y a des trous partout dans le sol. Bah si ce diner a une problème. Oh, tais-toi, tu sais pas parler anglais en plus. C'est de l'allemand ça. Ah bon? Ah oui. Bah si ce diner ouais, problème, c'est vrai, je c'est crois vrai. Que c'est problème ok anglais mais il faut je suis nul en fait. Moi aussi je suis nul. Le vaisseau, on va le garer là, on va faire une station après pour le garer. Ici là, c'est une station de recharge. Vous savez, je suis complètement teubé moi. Il s'est cru dans le turfu le mec. Bon allez, on repart. Attendez, parce qu'il y a un trou dans la vitre, on peut s'échapper comme ça au KLM. Ouais, de ouf. Ah, donc les ballons. Oui. Voilà, je suis fière de notre petit véhicule train volant. C'est un train qui roule mais qui vole. Du coup, bah, c'est comment je vais l'appeler, train volant. Yes. Donc on va le prendre souvent. Pendant que on va faire nos vidéos, on va se déplacer grâce à ça, voilà. Parce qu'il y aura plusieurs quartiers, on va dire. Merde, il faut que j'attende que la barrière s'ouvre. Faut aller doucement ici. On contrôle la situation. Pas toujours. Pas toujours. Hein. Comment c'est dire ça. On contrôle pas toujours la situation, mais quand même. On la contrôle assez souvent. Pas sûr. Ouais. On va mettre du parquet. Quoique, non. On va mettre du parquet. C'est une très mauvaise idée de mettre du parquet. On va mettre du parquet rose fuchsia, tu vas voir. Ça va être cool. Ember. LOL. LEL. Ouais, c'est vrai. On va mettre du parquet rose fuchsia. Ça va être cool. Bah écoutez, je suis très fière de ce que j'ai fait, moi. Finaise. Le mec, ça y est, il fait un train qui roule et qui vole en même temps, il est fier. Il est refait, là. Pourquoi tu parles plus, psychogamer? Je suis concentrée. Ok. Psychogamer est concentré, les gens. Oh putain, c'est la première fois qu'il est concentré. Il est concentré, mais pas à l'école, hein. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais. Je le sais totalement que t'es concentré, mais pas à l'école en fait. Pour faire des conneries, il y a du monde là, mais pour travailler, il n'y a plus personne. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Comment t'as deviné? je me demande vraiment comment t'as deviné, mec. T'es trop fort. Je suis trop intelligent. Tu viendras voir après ce que j'ai fait. Non, cet interrupteur n'est pas connecté. Que fais-tu? Va bien te faire l'interrupteur. Ouais. Des fois c'est relou. Moi aussi j'ai envie de dire pareil. J'ai envie de dire l'interrupteur. J'ai trouvé le problème. Qu'est-ce que c'était le problème? Ben non, c'est pas ça le problème. C'est que je suis très très con. On le savait tous en fait. La moitié de 250, c'est 125. Bravo. Voilà, donc une flèche. On va faire un sortie.
Non, mais en vrai, ça on peut pas faire ça. C'est un peu relou. Bref. C'est pas grave. Donc voilà. Par contre, on peut monter au-dessus des barrières. C'est pas super. C'est pas grave. Et là, on va faire une flèche en vert pour rentrer dans le véhicule. Ouais. Voilà. On fait un petit chemin. Hop, hop, et là pour dire entrer ici. Bon. Donc là, ça se mélange un peu. On va enlever ça. Voilà, comme ça il y a deux flèches. On comprend quand même. C'est pas grave. Ouais, ça fait pas ouf comme ça. Voilà, donc comme ça on sait où est-ce qu'il faut aller. L'aménagement, ok. Là, il y aura un petit magasin de hot dog. un psycho-gamer. Oui. Il est concentré de ce qu'il fait. Par contre, je vais bientôt arrêter parce que... Mais donc, il va falloir que tu sauvegardes ton truc. Ouais, attends. Après, tu viendras le rechercher de ma game si t'as complètement la flemme. Hein. Voilà. Donc, on aura un autre train, je pense, qui va aller là-bas. Et ça sera le magasin de hot dog. Voilà. Bon, en fait, j'essaie de faire un peu réaliste ça, sauf que ça va pas être réaliste parce que tu vous voyez, il y a aucun poteau, les câbles tiennent comme ça dans le vide au KLM. Bref. Ouais, compris. On va descendre. Et on va faire le magasin de hot dog en bas. On va faire quelques trucs en bas. Pile où est Psycho Gamer. 125, 4 fois 150, ça fait quand même 300, 600, 600. Oui. Il est merveilleux. Vraiment, ça part en couille maintenant, actuellement, là. Ouais. Ah ouais? Non, ça va. Tu veux voir ce que j'ai fait cette... ah, ça part en couille, il y a Astérobite devant. Ah, ah, ah. Ouais, en fait, c'était pas drôle. Ah, oh, c'est voir. Stylé. T'en penses quoi de ça? Je vais faire ça sur tous les trucs. Ça fait quoi? C'est pour faire quoi? Bah, ça sert à rien, ça tourne, c'est tout. Ouais, c'est bien. Je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon. C'est purement décoratif. Exactement, ça sert absolument à rien. Comme ah, mais j'avais pas vu en bas. Attends, il y a un autre truc en bas. Où ça? Il y a un autre truc en bas. Ah, mais non, il y a pas d'autre truc. Il y a rien en bas. Il y a pas d'autre truc, en fait. Bon, moi, du coup, je vous dis à la prochaine, hein. Tu dis au revoir, Psycho Gamer. À plus. À plus. Allez, à la prochaine, la team.